Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. 41e chapitre. Krishna brise l'arc dans l'arène du sacrifice. Après qu'ils eurent quitté la demeure du fleuriste, Krishna et Balaram virent une jeune femme bossue qui portait un plat de pulpe de santal à travers la ville. Réservoir de tout plaisir, Krishna voulut réjouir tous ses compagnons en plaisantant avec elle. Il lui dit « Ô grande et belle jeune femme, qui es-tu donc ? Dis-moi, pour qui donc portes-tu dans tes mains cette pulpe de santal ? Tu devrais me l'offrir. Si tu le fais, je suis sûr que tu connaîtras toute bonne fortune. » Krishna est Dieu, la personne suprême. Rien ne lui était inconnu de la bossue. Mais par sa requête, il indiquait qu'il est vain de servir un asura. Mieux vaut servir Krishna et Balaram et par là s'affranchir des conséquences de ses actes coupables. La femme répondit à Krishna, « Mon cher Shyamasundar, ô beau garçon au teint noir, sache que je suis une servante de Kamsa. Chaque jour, je lui fournis de la pulpe de santal. Le roi en est fort satisfait. Mais je comprends maintenant que cette pulpe de santal ne peut avoir de meilleur destinataire que vous deux. » Captivée par les traits merveilleux de Krishna et Balaram, par leurs belles paroles, leurs sourires, leurs regards, la jeune femme se mit à enduire leur corps de la pulpe de santal avec grande joie et dévotion. Les deux mendiants sublimes, Krishna et Balaram, étaient naturellement beaux et leur teint magnifique, et ils portaient de jolis vêtements aux vives couleurs. Le haut de leur corps était enchanteur, et lorsque la bossue les eut recouverts de pulpe de santal, ils semblèrent plus beaux encore. Krishna, satisfait de son service, se demanda alors comment récompenser la jeune bossue. Nous voyons ici que pour attirer l'attention du Seigneur, le Bhakta, dans la conscience de Krishna, doit le servir avec beaucoup d'amour et de dévotion. On ne peut plaire à Krishna par un acte qui ne soit pas accompli dans le cadre du service d'amour sublime qui lui est offert. Songeant ainsi, Sri Krishna, du bout de ses orteils, pressa contre le sol les pieds de la bossue et de ses doigts lui pinça les joues, tira sur sa tête d'un coup sec pour la redresser. La bossue se transforma alors en une belle jeune fille bien droite, aux larges hanches, à la taille fine et aux beaux seins bien galbés. Krishna avait été satisfait de son service. Elle avait été touchée de ses mains et elle devint la plus belle d'entre les femmes. Voilà qui montre que par le service qu'il offre à Krishna, le Bhakta se voit aussitôt conduit au niveau le plus élevé. À tous égards, le service de dévotion possède une telle puissance que quiconque l'adopte y gagne toutes les qualités divines. Krishna est attiré non par la beauté, mais par le service. Dès que la jeune bossue le servit, elle devint la femme la plus belle. Pour venir à la conscience de Krishna, nul besoin d'être beau ou talentueux. Une fois devenu conscient de Krishna, après lui avoir offert notre service, on devient tout naturellement fort beau et talentueux. Lorsque par la faveur de Krishna, la bossue fut métamorphosée en une exquise jeune fille, elle se sentit tout naturellement pleine de reconnaissance. Elle était aussi fascinée par la beauté de Krishna. Sans une hésitation, elle saisit le pan du vêtement que portait le Seigneur et voulut l'arracher. Avec un sourire de coquetterie, elle avoua son désir. Elle avait oublié la rue, la présence du frère aîné de Krishna comme de ses compagnons. Elle proposa ouvertement à Krishna, « Mon héros, je ne puis te quitter ainsi, viens chez moi. Déjà je me sens infiniment attirée par ta beauté et je veux te recevoir comme il convient, car tu es le meilleur d'entre les mâles. Et tu dois me montrer une grande faveur. »
Sans détour, elle proposa que Krishna vienne en sa maison la satisfaire. Certes, Krishna se sentit quelque peu embarrassé devant son frère aîné, Balaram, mais il savait la jeune fille d'âme simple et attirée par sa personne. Aussi eut-il un sourire en entendant ses paroles. Regardant ses amis les pâtres, il lui répondit « Oh, belle jeune fille, ton invite me comble d'aise et je me rendrai chez toi quand j'en aurai fini avec ce que j'ai à faire ici. Seule une jeune fille aussi belle que toi peut réconforter un voyageur comme moi, non marié et loin de chez lui. Certes, en bonne amie, tu pourras nous soulager de bien des agitations mentales. » Ainsi, de ces douces paroles, Krishna combla la jeune fille. Puis, la quittant, il descendit la rue du marché où les habitants étaient prêts à le recevoir avec diverses offrandes, noix de bétel, fleurs, bois de santal. Les marchands sur la place du marché adorèrent Krishna et Balaram avec le plus grand respect. Comme il descendait la rue, toutes les femmes des demeures voisines vinrent voir Krishna. Certaines, parmi les plus jeunes, s'évanouissaient presque sous l'enchantement de sa beauté. Leurs chevelures et leurs voiles tendues se dénouèrent. Elles oublièrent où elles étaient. Krishna demanda ensuite à ceux qui l'accueillaient dans quel lieu se déroulerait le sacrifice. Le Danuryagya, le sacrifice de l'arc, avait été organisé par Kamsa, et pour en marquer le lieu, il avait fait placer près de l'autel un arc gigantesque, arc merveilleux qui rappelait un arc-en-ciel. Dans l'arène du sacrifice, veillaient sur lui de nombreux séides et gardes au service du roi Kamsa. Comme Krishna et Balaram s'approchaient, ils reçurent l'avertissement de rester à bonne distance, mais Krishna voulut l'ignorer. De force, il se fraya un chemin et de la main gauche saisit le grand arc. Après avoir devant la foule posé la corde sur l'arc, il le banda si fort qu'il se brisa en son centre, en deux parties, de même qu'un éléphant brise une canne à sucre. Tous ceux qui étaient présents apprécièrent la puissance de Krishna. En se brisant, l'arc émit un son qui emplit le ciel et la terre. Kamsa ne manqua point de l'entendre et avertit les nouvelles, il se mit à craindre pour sa vie. Le gardien de l'arc, qui se tenait à quelques pas et avait observé la scène, entra dans une grande colère. Il donna ordre à ses hommes de prendre les armes et même se précipita vers Krishna en criant « Arrêtez-le ! Tuez-le ! Tuez-le !» Krishna et Balaram furent vite cernés. Mais les gestes menaçants des gardes les mirent aussi en colère et s'armant des deux morceaux de l'arc, ils entreprirent de repousser les hommes du roi. Pendant la lutte, Kamsa envoya quelques troupes en renfort, mais Krishna et Balaram les affrontèrent et les détruisirent. L'incident clos, Krishna, au lieu de pénétrer plus avant dans l'arène du sacrifice, sortit par le grand porche pour se diriger vers le lieu de campement. Le long du chemin, il visita les endroits fameux de la ville avec grand plaisir. Tous les habitants qui avaient assisté aux exploits merveilleux de Krishna commencèrent à murmurer que les deux frères étaient des devas descendus à Mathura et les regardaient avec une admiration stupéfaite. Krishna et Balaram flânèrent dans les rues sans souci de la loi de Kamsa. Au soir, avec leurs amis les pâtres, ils se rendirent dans les faubourgs de la ville où ils avaient remisé leur char. Ainsi, Kamsa était désormais prévenu de leur arrivée. Par là, il lui avait fait comprendre quel terrible danger l'attendait le lendemain dans l'arène du sacrifice. Pendant que Krishna et Balaram étaient encore en route, les habitants de Vrindavan avaient imaginé l'heureuse fortune des gens de Mathura qui allaient contempler la beauté merveilleuse de Krishna. Lui qu'adore ses purs dévots et la déesse de la fortune. Et leurs songeries se réalisèrent. En effet, à voir Krishna, les citoyens de Mathura connurent pleine satisfaction.
Lorsque Krishna fut de retour dans son camp, des serviteurs prirent soin de lui. Ils lavèrent ses pieds pareils au lotus, lui présentèrent un siège confortable, lui offrirent du lait et des mets savoureux. Après avoir soupé et pensé aux actes du lendemain, Krishna se reposa dans la paix. Ainsi passa-t-il la nuit. Mais Kamsa, lorsqu'il eut connaissance des incidents de la journée, l'arc merveilleux brisé, gardiens et soldats mis à mort, commença à réaliser la puissance de Dieu, la personne suprême. Le huitième fils de Devaki était apparu et avec lui sa propre mort imminente. Aussi ne put-il trouver le repos de toute la nuit. Il eut maintes visions de noir augure. Oui, Krishna et Balaram, désormais présents aux portes de la ville, étaient bien les messagers de sa mort. Dans l'éveil et dans ses rêves, Kamsa reçut plusieurs signes funestes. Il se regarda dans un miroir, sa tête avait disparu du reflet. Il voyait double les luminaires dans le ciel et des trous dans son ombre. Il entendait des bourdonnements aigus dans ses oreilles. Tous les arbres devant lui paraissaient d'or. Ses propres empreintes dans la poussière ou l'argile boueuse lui restaient invisibles. En rêve, il vit diverses sortes de fantômes portés par une charrette que traînaient des ânes. Ou bien on lui offrait du poison qu'il buvait. Il se promenait nu, seulement vêtu d'une guirlande de fleurs et enduisait d'huile tout son corps. Observant ainsi, dans l'éveil comme dans le sommeil, divers signes de mort, Kamsa ne douta plus de sa fin. Cette nuit-là, rongé par l'angoisse, il ne put prendre aucun repos. Dès que l'aube parut, il s'affaira pour mettre sur pied le tournoi de lutte. L'arène avait été bien nettoyée, décorée d'étendards, de festons et de fleurs. Un battement de timbales annonça le tournoi. La plateforme de combat s'ornait fort plaisamment de banderoles et d'étendards. Diverses tribunes avaient été préparées pour les invités de marque, souverains, brahmanas et kshatriyas. À chaque roi était réservé un trône et des sièges appropriés attendaient chaque brahmana ou kshatriya. Enfin, Kamsa fit son entrée. Accompagné de ministres et de secrétaires, il s'assit sur la haute estrade préparée pour lui. Il siégeait au centre des puissants, mais son cœur battait vivement par crainte de la mort. La mort cruelle ne ménage personne et n'a cure de la puissance. Quand elle vient, elle n'examine pas la grandeur de celui qu'elle va prendre. Tout fut bientôt prêt. Les lutteurs, qui devaient rivaliser d'adresse devant l'assemblée, entrèrent dans l'arène. Leur habit et leur parure chatoyaient dans la lumière. Parmi les plus illustres, on nommait Chandra, Moustika, Sala, Kuta et Toshala. Stimulés par un concert d'instruments, ils traversèrent l'arène d'un pas vif. Les pâtres honorables de Vrindavan, conduits par Nanda, reçurent l'accueil de Kamsa. Ils présentèrent au roi leur offrande de lait et de produits laitiers, puis s'assirent à ses côtés sur une estrade préparée pour eux. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 41e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Krishna brise l'arc dans l'arène du sacrifice ». Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.